passer jusque demain 16h. Ne vous en faites pas. 16h30, allez. Mais alors, plus sérieusement maintenant, est-ce que vous voulez qu'il vous dise un mot? Est-ce que vous voulez qu'il vous parle? J'ai été béni, j'ai été enrichi de l'écouter, on l'écouterait des jours et des jours. C'est la mémoire, tout simplement. Josar Nyokalongo, bonsoir. Le public des Beaux-Arts, pour commencer avec ce public, comment vous le trouvez? Un public charmant. Les hommes et les femmes, hein, sont tous charmants. Gentils. Ils ont cet amour de la rumba congolaise. Merci, merci à vous. Alors, Josar Nyokalongo, c'est mon grand frère. Dans le groupe, pour le groupe, il est le président de Zaïko Langalanga. Maintenant, nous passons de la familiarité à la partie beaucoup plus protocolaire. Parce que, voilà, hein. Président Josar, vous avez traversé les âges, je disais tout à l'heure en préparant notre événement, sans rides. Et donc vous êtes resté le même, mais 50 ans il faut le faire. Et vous avez certainement traversé énormément de choses avec Zaïko et vécu énormément de choses. Alors, je vous laisse tout simplement exprimer votre cœur. Si vous avez une ou deux choses à dire avant de passer à une deuxième question, ça serait quoi? Je sais que la sélection, elle est difficile. Si vous avez une ou deux choses à dire par rapport à ces 50 ans que vous êtes resté constant, fidèle dans Zaïko Langalanga, vous qui l'avez connu depuis 1969 jusqu'à aujourd'hui, 2020, une ou deux choses à dire qui vous a touché particulièrement. Il y en a beaucoup, mais une ou deux choses. La première chose qui m'a touché, qui continue à me toucher, ce sont tous ces bras qui m'ont accueilli, qui m'ont servi de béquille pendant les moments les plus difficiles du groupe et de moi personnellement. Quand nous avons suivi le vieux Malambou, qui a parlé ici, c'est un grand témoin. Lui, il fut le directeur de Visa 80. Il sait comment, je dirais, j'étais un bébé parmi nos aînés. J'ai été combattu. Bien qu'il y avait le fondateur, le vieux qui était là, mais j'ai toujours été la personne visée. Voilà pourquoi à chaque fois je dis, Nyokalongo, toujours combattu, parfois battu, mais jamais abattu. Alors, je ne vous tendrai pas le micro parce que vous allez être à plusieurs à vouloir lui poser la question. Mais la question que vous imaginez, c'est que vous êtes curieux de voir Josar danser aujourd'hui. Vous avez un appétit, n'est-ce pas, croissant de plus en plus. Alors, Josar Nyokalongo, président Josar pour Zaïko, l'artiste c'est Josar Nyokalongo. Une question qui lui avait été posée hier lors de la conférence de presse. Excellent danseur dans Zaïko Langalanga, il est encore jusqu'à aujourd'hui. Alors la question que je la vois au travers du regard du public, danser pour vous une passion, danser pour vous c'est pour le public, danser pour vous c'est une passion pour vous-même. Quel est le secret de cette excellence? Je dirais c'est une passion. Et c'est un plaisir pour moi parce que quand je danse pour moi. Je danse pas pour le public, je danse pour moi parce que j'ai un plaisir quand je danse. J'oublie toutes les dettes, toutes les déceptions amoureuses. Et voilà pourquoi, quand je danse, mon public, les spectateurs sont en communion avec moi et avec tout le groupe. Merci beaucoup. Ça vaut des applaudissements, n'est-ce pas? Vous avez entendu le secret pour oublier les dettes, pour oublier les déceptions.
amoureuse, amant amoureux, donc danser. Voilà. Alors, avant de prendre cette pause que nous avons voulu, parce que nous allons danser, comme je l'ai dit, jusqu'à minuit 30, donc encore 3 heures de danse. Mais avant cela, une dernière question à Jossard, et puis nous allons nous désaltérer. Il y a les bars qui est par là. Attention, s'il vous plaît, ne ramenez pas les boissons sur ce parquet combien historique des Beaux-Arts. Une dernière question à Jossard Ndokalongo. Vous avez connu plusieurs collègues dans Zaïko Langalanga que vous avez chéri, que vous avez, avec qui vous avez développé des amitiés. Plusieurs sont partis. Quelle est la chose que vous pouvez dire que ce public de Beaux-Arts vous entende seulement sur tous ces départs qui ont dû vous affecter? Comment avez-vous pu surmonter et aller de l'avant, pardon, ayant perdu tous ces amis qui vous ont été chers et d'autres que vous appelez même frères? C'est pour cela que je dis à chaque fois, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et c'est grâce à mes parents et c'est grâce à Papa Wimba. Parce que c'est grâce à Papa Wimba que ce groupe a été créé. On avait un petit groupe, on n'a jamais joué sur scène, le temps est libre. Et Papa Wemba est passé un dimanche dans l'après-midi avec ses amis. Il a trouvé notre orchestre en train de répéter chez la tante de ses amis. Il a demandé à improviser une chanson et c'était la chanson Adios été. Et quand il a improvisé, nos dirigeants ont décidé sur place de dissoudre notre orchestre là pour créer un autre orchestre. Donc c'est grâce à Papa Wemba. Comme je le dis toujours, c'est le détonateur. Et grâce à lui, je suis ce que je suis, et grâce à Zaïko. Merci. Grâce à Zaïko. Alors, nous allons laisser Jossard tranquille. Il va prendre juste une pause et puis on revient dans 20 minutes. Le temps de boire 2-3 verres, je ne dirais pas de quoi. Nous allons, si vous le voulez, vous tendre le micro en tant que public. Vous voulez bien chanter un bon anniversaire à Zaïko? Vous voulez bien chanter un bon anniversaire à Zaïko? Nous sommes là pour l'anniversaire de Zaïko. On nous donne juste un accord facile à chanter, juste un accord pour un bon anniversaire à Zaïko en présence de Jossard. C'est le public qui va chanter. On y va? Joyeux anniversaire. Jusque minuit 30 aujourd'hui. À tout à l'heure. Merci.